Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je partage avec vous un grand haul. Donc, comme on dit en anglais, un huge haul, baby haul, donc un haul bébé. Alors, on a acheté pas mal de vêtements pour Oliver et je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce qu'on a acheté. Alors, on a acheté chez Geoffrey, Zara, Browns et H&M, bien sûr. Donc, voilà, si ça vous intéresse voir ce qu'on a acheté, restez là. Et je voulais aussi vous dire que j'ai filmé une vidéo sur ce look de maquillage là qui est très simple en fait, avec deux couleurs et voilà. Donc je vais le mettre en ligne juste après celui là donc voilà. Alors je commence avec les hauls, restez là. Alors voilà, je commence avec Geoffrey. Donc je commence avec des petits souliers qu'on lui a acheté. Ce sont très simples mais je les trouvais trop mignons. Donc lui, il est le numéro 4 déjà, donc le 3 ça lui fait pas du tout. Et il a un pied comme un petit peu gros, donc c'est sûr que c'est mieux avec des choses comme ça, avec le velcro, qu'avec des lacets. Donc je préfère vraiment ça, c'est plus facile et c'est mieux pour lui aussi. Donc les voici, ils sont en brun avec du bleu, je les trouve vraiment très mignons. Et voilà. Je commence avec les pyjamas qu'on lui a acheté de chez Geoffrey. Ils sont vraiment très mignons. Donc voici celui-là qui est bleu marin avec des motifs blancs de l'espace et tout ça. Donc c'est un t-shirt, c'est en deux pièces avec une short. C'est vraiment très mignon, moi je trouve. Donc voilà. Le deuxième qu'on lui a acheté s'écrit Swim Team. Il est trop cute. Avec un requin. Et les petits shorts sont très colorés en fait. Ils sont vraiment très mignons. Donc voilà. Et la troisième et pas la moindre, c'est comme ça, E for Elephant. Donc E pour éléphant. Et c'est avec un éléphant, elle est blanche comme vous pouvez voir. Et les shorts sont vraiment très cute, c'est comme un bleu bébé avec plein d'éléphants. Donc voilà, je les ai vraiment trop aimés, ils sont vraiment très mignons. Et on a des vêtements, c'est plus des vêtements qu'on a acheté pour l'automne. Mais quand même, il y en a plusieurs que c'est entre pour maintenant, pour l'été et vraiment fin de l'été, entre l'été et l'automne. Donc c'est le cas de ce pantalon qui est 3/4, que j'ai beaucoup aimé en fait. Donc c'est un bleu comme ça avec des iguanes ou des lézards, j'en ai aucune idée. On dirait que c'est comme usé, mais c'est pas du tout usé. Et on peut vraiment le remonter et redescendre. Donc je le trouvais vraiment très mignon. Voilà. Ensuite, on a acheté une camisole qui est pour maintenant. C'est écrit Surfing Crew, Newport Beach, CA. Donc voilà, elle est bleue comme ça, avec des lignes. Comme vous savez, j'adore les lignes. Et avec une auto blanche. Donc voilà, elle est très cute. Celui-là, c'est 6 à 12. Donc pour l'automne, on a acheté 12 à 18. Donc celui-là, c'est plus pour maintenant, 6 à 12. Ensuite, deux t-shirts en fait, une qui est encore avec des lignes les deux, une qui est blanc et bleu et qui s'écrit Boy Oh Boy, Oh Boy. C'est vraiment trop mignon, la voici. Et la deuxième aussi avec des lignes gris et noir et s'écrit Eat, Sleep, Beach. Donc voilà, alors manger, dormir et la plage. Donc voilà, je les trouve trop cute et encore une fois, celle-là c'est 12 à 18, mais ça lui fait aussi. Donc voilà. Ça, on peut aussi l'avoir entre l'été et l'automne avec une petite veste ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, les t-shirts, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez vraiment. On a acheté des petites pants, des petits pantalons sportifs. Donc 12 à 18, celle-là. Ils sont vraiment chauds. Moi, je les aime vraiment beaucoup de chez Geoffrey car le tissu est vraiment chaud. Puis comme confortable et tout, donc je les aime vraiment beaucoup. Il y en a un qui est noir, tout simple vraiment, avec des lacets blancs, et l'autre est gris, tout simple aussi, avec des lacets blancs. Donc voilà, et on peut vraiment comme le faire comme plus long ou plus court, ce que j'adore. À l'intérieur c'est vraiment comme doux et c'est vraiment chaud, donc c'est ça que j'aime. Et un t-shirt aussi qui est un t-shirt chemise un petit peu, donc un petit peu plus t-shirt un petit peu plus classique, si je peux dire ça, qui est blanche, puis c'est écrit Fresh Mate avec des lunettes. Donc elle est blanche et avec des lunettes bleues. Elle est vraiment très cute. Elle est un petit peu plus classique que les autres, donc les autres c'est plus sportif et tout ça.
mais je les aime vraiment beaucoup. Et une des articles préférés que j'adore, c'est ce petit, comment on dit ça, ce petit chandail, vraiment. J'adore, j'adore. Voilà, hello, il dit hello, je l'adore vraiment beaucoup. Je trouve que ça, il va être très mignon là-dedans. C'est comme ça, j'adore les lignes noires ici, puis c'est comme gris, puis c'est écrit hello en blanc, c'est juste comme parfait. Moi je l'adore vraiment. Ça, c'est un de mes articles préférés, j'en ai plusieurs bien sûr, mais celui-là c'est le premier que je vous montre. Donc celui-là c'est 12-18 mois aussi, et je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, je poursuis avec Brands. Alors, on a acheté une paire de souliers de chez Brands, voilà, pour Oliver, bien sûr. On a acheté en fait deux, mais l'autre, il va venir comme dans 2-3 jours. Donc, j'avais vraiment hâte comme filmer les hauls et tout ça, donc je me suis dit, je vais le filmer, c'est pas grave. Donc, voilà la boîte, ça a l'air à ça, c'est la marque Sperry. Donc, les souliers, je les adore vraiment, ils sont très très beaux. Donc, les voilà. Voilà. Les voici. Donc c'est le numéro 4 comme je vous avais dit, et j'adore ça qu'on peut l'ouvrir comme ça. C'est très pratique, c'est très facile à mettre sur son pied et tout. Donc je trouve que c'est très très cute et ça va avec tout vraiment. Donc je voulais vraiment une couleur qui va avec tout. Donc je pense que ça va avec tout. Puis les autres souliers aussi que je vous avais montré chez Joe Fresh aussi, c'est comme brun puis bleu, je pense que ça va avec tout aussi un petit peu. Donc celle-là c'est un petit peu plus classique si on peut dire ça, mais ça lui va très bien, il est vraiment très mignon, très mignon. Donc moi je les adore vraiment. Alors voilà, c'était tout. Et voilà, je poursuis avec H&M. Zara c'est pour la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime là-bas et je voulais montrer plus en détail. Chez H&M aussi, il y en a beaucoup de choses. Ah, j'ai trop hâte. Ok. Donc, voilà, je sors toutes les choses. Donc, on a acheté premièrement, mais pas le moindre, des bas. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas acheté des bas. Donc, celle-là, c'est 3.5 à 5, la taille, si on peut dire ça. Donc, 19 à 21. Donc, lui, ça, c'est un numéro européen. Donc, un numéro européen pour les souliers, il est numéro 20, ce qui est égal à 4 d'ici. Ça a du sens, donc voilà. Alors c'est 5 paires de chaussettes, voilà. Puis comme vous pouvez voir, c'est avec des lignes que j'adore. Donc celui-là, ils sont bleus puis blancs, les 5, mais je les trouve trop mignons. Il y en a un qui est seulement bleu comme vous pouvez voir, mais la majorité c'est bleu et blanc avec des lignes bien sûr. Donc je les ai trouvés très mignons et on lui a essayé ce chapeau-là. Quand je l'ai vu le chapeau, j'étais comme, oh, il a l'air comme ordinaire, mais je voulais lui essayer, je l'ai essayé, puis il est tellement cute avec ce chapeau-là, j'étais comme, il faut qu'on l'achète, c'est sûr et certain. Donc il est bleu marin encore une fois, avec des étoiles blancs, donc j'ai vraiment hâte, c'est plus pour l'automne, début hiver. Donc il est vraiment très mignon, puis ça j'adore ça, les deux petits lacets qui pend, ça pour les oreilles, pour lui protéger les oreilles aussi, il est très mignon, ça lui va très bien, ça lui fait, c'est 1 an à 2 ans, mais ça lui fait, donc voilà, voilà, elle est vraiment très cute, oh, vraiment trop mignon. Donc des shorts 3 quarts aussi, on les a achetés. Je les ai vraiment aimés, je les ai vraiment beaucoup aimés. Je sais qu'il en a plusieurs shorts, mais j'étais comme, une fois que je les ai vus, je suis tombée en amour avec, puis j'étais comme, il faut que je les achète. C'est plus en jean par contre, donc il n'y a pas beaucoup en jean. Donc je me suis dit, je vais les acheter, les voici, ils sont vraiment très mignons. Ils sont comme jeans, mais une couleur que j'adore. C'est pas foncé ni clair. Donc, les voici avec des autos blancs. J'ai trouvé ça très mignon. Donc, je les adore vraiment. En arrière, les voici. Ils ont l'air de ça. Et la taille, c'est 12 à 18 mois. Donc, voilà. Et en plus, il était en rabais. Pas cher vraiment. Yeah! J'étais full heureuse. Donc voilà, alors je les aime vraiment beaucoup. Ça je pense que, oui, ça de chez H&M c'est mon premier article préféré. Je vais vous montrer le deuxième, ce sera pas long. Donc voilà, mon mari il a vraiment aimé ce chandail là, puis c'est vrai qu'il est beau. Celui-là c'est 12 à 18 aussi, c'est avec manches longues, comme vous pouvez voir, avec des lignes aussi. Et moi ce que j'ai aimé, c'est vraiment les petites poches et comme en arrière des manches, ça j'ai adoré ça, donc j'ai trouvé ça très mignon. Alors, les petits détails comme ça, moi j'adore ça, les petits boutons aussi. Donc voilà, il va être
tellement craquant, j'ai hâte de le voir avec et tout. Donc c'est plus pour l'automne comme je vous avais dit. Et le chandail que moi j'aimais, donc le deuxième article préféré de chez H&M, c'est celui-là. Donc c'est un chandail, c'est écrit Rookie New York. Donc je l'ai adoré, il est vraiment trop cute, moi je trouve en tout cas. Et il est gris blanc un petit peu, comme vous pouvez voir il y en a ici, c'est un peu plus foncé, des détails, j'adore ça, l'image, j'adore les lettres que c'est en bleu flash, donc on le voit. Donc je l'ai vraiment aimé, j'aime tout. Donc voilà. Et à la fin, j'ai poursuivi avec Zara, où je pense que j'aime tous les articles, vraiment. J'aime tout chez Zara. J'aime les vêtements de femmes, les vêtements d'hommes et les vêtements de bébés, d'enfants et tout ça. J'adore Zara. C'est comme c'est fou. Je capote. Ok. Bon. Alors. On commence. Le premier chandail, en fait, c'est mon mari qui l'a vraiment trop aimé. Le voici. C'est 12 à 18 mois. Et c'est un blanc cassé un peu, je vous dirais, avec des lignes grises comme vous pouvez voir. Et c'est écrit This is my place, je pense. Ouais, This is my place. Avec un ourson, avec un drapeau. Oui, c'est mignon, c'est vrai. Mais c'est pas de mes préférés non plus. Mais mon mari l'a vraiment, vraiment aimé ça. Donc voilà, c'est vraiment cute pareil. Avec des manches longues, bien sûr. Et voilà, on a acheté ce chandail et deux autres manches longues qui sont presque pareils. Donc le premier c'est celui-là qui est blanc avec bleu marin aussi. Voilà, et c'est écrit Little Heartbreaker. Oh, il est trop mignon. Moi je les ai vraiment aimés ces deux-là. Donc bleu et blanc, comme vous pouvez voir, ça va vraiment avec tout. Et le deuxième chandail il est blanc et rouge. Et c'est écrit Cute boys look like this. J'ai trouvé ça trop mignon, c'est comme c'est trop cute, comme je capote. Les gens qui disent que c'est pas le fun habiller un petit garçon, c'est pas vrai, c'est vraiment le fun. Donc voilà. Et les autres c'est juste des pantalons, des leggings, des jeans. Donc j'adore les leggings de chez Zara, je les adore. Le premier, c'est une couleur qui est quand même bizarre. Donc, les voici. C'est quand même... J'en ai aucune idée. C'est comme un bleu. J'en ai aucune idée, vraiment. Mais la couleur est quand même bizarre, mais je l'aime. Je l'aime les petites notes, les petits détails qu'on pouvait voir. Donc, ça, il n'y a pas de poche, rien. C'est une legging, mais vraiment confortable, extensible. Celui-là, je pense que c'est, oui, c'est 12 à 18 mois. En arrière, il n'y a pas de poche, c'est juste une imitation. Mais les notes, j'adore. Donc voilà, on peut vraiment, comme, on peut le plier aussi, comme, on peut le faire plus court ou plus long aussi. Ce que j'adore pour les leggings. Donc voilà, et c'est pas laid. Comme, il y en a qui ont le fait comme ça, puis c'est laid, mais celle-là, les leggings de chez Zara, c'est vraiment très mignon, moi, je trouve. Donc voilà, c'est très pratique aussi, si jamais c'est très long ou si c'est trop court. Donc voilà. Le deuxième legging, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc j'aime tout vraiment. C'est un gris blanc un peu. Donc comme vous pouvez voir, j'aime trop la poche en avant. Comme vous pouvez voir, il y en a une poche et je les trouve trop mignons. Donc ici c'est écrit, j'en ai aucune idée, pose. C'est écrit pose. Comme vous pouvez voir, voilà, ça a l'air à ça. Les tissus, j'adore de chez Zara. Comme vous pouvez voir, encore une fois, on peut le faire plus long et plus court, ce qui est parfait. En arrière, il n'y en a rien, mais je les trouve assez mignons en avant. Donc, je les aime. Donc, on a acheté une paire de jeans, mais quels jeans? Oh, je les aime, tout simplement. Il va être tellement craquant avec ses nouveaux souliers et ses jeans-là, je vous jure. Donc les voici, ces jeans skinny. Ils sont vraiment extensibles. Et c'est avec une clip ici, bien sûr. C'est 12 à 18 mois.
Mais sont vraiment stretch, sont vraiment extensibles, c'est fou, c'est fou, ça va, il va être confortable là-dedans parce qu'il y a même des jeans pour bébé que je trouve que sont pas très pour bébé, c'est pas extensible, c'est pas confortable pour les bébés, vous voyez, même pour nous, je pense que nous on aime plus des jeans ou des pantalons, des leggings qui soient extensibles que autre chose, donc je pense que pour les bébés c'est encore mieux. Donc le voici, il est vraiment très mignon, c'est comme une jeans, on dirait un jeans pour des adultes vraiment. Donc voilà, il y en a des poches, eh oui, c'est pas une imitation, il y en a des poches en avant, il y en a de la place pour la ceinture aussi, car Oliver en a déjà deux ou trois ceintures, donc on peut toujours lui mettre la ceinture. Ici, il y en a aussi deux poches, donc je pense qu'il va être pas mal craquant. Je pense que oui. Et on peut aussi faire plus long, plus court. Donc, j'adore. Voilà. Alors, les deux prochains articles, derniers, c'est deux leggings aussi. Donc, celui-là, la couleur est belle. La couleur est vraiment belle. Bleu comme ça, j'adore. C'est une imitation de jeans. C'est pas des jeans. Mais c'est une imitation. C'est vraiment, c'est extensible encore une fois. J'adore les détails, vraiment les lignes ici, ici il y en a des poches, ce n'est pas une imitation. Donc j'adore, on peut le plier encore une fois, plus court, plus long. Et les lacets sont comme, sont trop mignons. Et comme, voilà, tout est parfait vraiment, je l'adore. En arrière il y a une imitation de poche ici, mais j'adore vraiment l'imitation des jeans. Mais c'est un legging, donc très confortable encore une fois. Je l'adore encore une fois. Et le dernier, mais pas le moindre, c'est il est gris avec des petits, vous allez voir, des petits emojis, des petits dessins en noir. Donc ça a l'air ça. Encore une fois, on peut le plier. Et il y en a plusieurs dessins vraiment qui sont trop cool. Des skateboards, des petits gars, il y en a des lunettes, il y en a plein de choses vraiment. Il y en a en arrière, ça continue comme vous pouvez voir, il y en a des radios, il y en a un nuage ici, une couronne, des lunettes, il y en a plein de choses, c'est comme c'est fou. Comme vous pouvez voir, on peut encore une fois le faire plus long, plus court, voilà, en bas. Et moi je le trouve très mignon aussi, très unique, et vraiment très cute quoi. On va être honnête, il est vraiment très mignon. Les lacets sont noirs, d'habitude ils sont toujours blancs, donc je trouve ça très très original. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors je pense que là il y en a pas mal de vêtements. Alors voilà, voilà, j'espère que le haul vous a plu, le haul bébé. Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous. J'espère que ça vous a donné le goût d'aller acheter des vêtements pour votre bébé, car moi je suis... J'aime plus acheter pour lui que pour moi, vraiment. Comme je suis plus toute excitée, puis comme toute heureuse pour acheter pour lui. Donc, j'étais vraiment heureuse de lui acheter tout ça. Donc, il va être très beau l'automne. J'ai vraiment hâte. Ah, ok. Alors, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre intérêt, vos messages, commentaires, suggestions. Toutes ces belles choses-là, vraiment. Je vous aime vraiment beaucoup. Et je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à ma prochaine vidéo, très bientôt. Bye.